Bienvenue au Théâtre du Rideau Vert. Il me fait plaisir d'être de retour sur cette scène et de pouvoir vous accueillir dans cette salle en vous proposant enfin une saison complète qui saura, je l'espère, vous divertir et vous émouvoir. Sur ces planches, depuis plus de 70 ans, des œuvres marquantes ont été créées et recréées. Pour cette saison 2022-2023, je vous propose 5 spectacles à la frontière du familier et de l'inédit. C'est la pièce Le Fils du surdoué dramaturge français Florian Zeller qui lancera notre saison dès le 27 septembre 2022. Créée à Paris en 2018, cette œuvre sensible et surprenante explore le délicat sujet du mal-être à l'adolescence. René Richard Cyr y dirigera Vincent Guillaume Otis dans le rôle du père et le jeune Émile Ouellette dans celui du fils. Sylvie de Morel-Noguera, Charles Aubé-Houd et Frédéric Paquet seront aussi de la distribution. C'est devenu une véritable tradition, Rideau Vert. La très attendue revue et corrigée sera de retour pour le temps des fêtes. Dès le 22 novembre, sous la direction de Nathalie Lecomte, la talentueuse équipe de comédiens soulignera en humour les bons et surtout les moins bons coups des personnalités publiques. Nos deux vétérans, Marc Saint-Martin et Benoît Paquette, seront de retour et à leur côté, de jeunes et dynamiques recrues seront à découvrir, dont Monica Pilon. L'auteur américain Lou Kahnate a imaginé une suite actuelle à la célèbre pièce « Une maison de poupée » d'Henrik Ibsen. Dès le 24 janvier 2023, découvre « Une maison de poupée » deuxième partie dans une mise en scène de Marie-France Lambert. C'est à Masha Limanchik que nous avons confié le rôle de Nora, qui, 15 ans après avoir abandonné le domicile familial, y retourne pour faire une demande particulière à son mari, Thorvald, interprété par Paul Amarani. Nous y retrouverons l'ancienne nourrice de Nora ainsi que sa fille qu'elle n'a jamais revue, respectivement incarnée par Muriel Dutille et Rebecca Vachon. À partir du 14 mars, c'est la délicieuse comédie dramatique « Pif luisant » qui prendra l'affiche. Il s'agit d'une création québécoise signée Gabriel Sabourin qui, après s'être intéressé à Fedot dans « Le prince des jouisseurs » en 2014, jette son dévolu sur Edmond Rostand. Retrouvez Olivier Morin dans le rôle de l'auteur quelques mois seulement avant qu'il ne connaisse la gloire avec Cyrano de Bergerac. La distribution est complétée par Élodie Grenier, Roger Larue, Jean-François Pronovost, Gabriel Sabourin et Marie-Hélène Thibault sous la direction de Stéphane Brulotte qui refait son chapeau de metteur en scène pour l'occasion. La fin de la saison aura des airs de retrouvailles alors que Pierre Bernard revisitera pour notre plus grand plaisir l'une de ses toutes premières mises en scène, Traces d'étoiles, de Cindy Lou Johnson. À partir du 9 mai 2023, quelques 30 années après la création de cette pièce au Katsu, ce sera maintenant au tour de Mylène McKay et d'Émile Schneider de donner vie à ce huis clos à la fois âpre et passionnel. Un texte mythique qui révélait en 1992 les talents de traductrice de Maryse Varda. Il ne manque plus que vous. Joignez-vous à nous pour cette 74e saison du Théâtre du Rideau Vert. Abonnez-vous dès maintenant. Retrouvez tous les détails sur notre site Internet et bonne saison!